Salut à toutes et à tous. Vous êtes des amoureux de l'euro, notamment des commémoratives. Et là, vous voyez, il y a plein d'euros avec des commémoratives et aussi des bâtiments. Mais je ne vais pas vous faire aujourd'hui une vidéo sur les commémoratives qui représentent des bâtiments. Pas du tout. Je vais vous faire une vidéo sur une escroquerie de masse qui porte sur plusieurs dizaines de millions d'euros et dont vous êtes peut-être la victime. Alors regardez bien dans votre porte-monnaie et tout ça, c'est après le générique. Alors, essayez de deviner où est l'escroquerie. C'est cette pièce, celle-là. Celle-là, 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 celle-là ou celle-là? Eh oui, vous avez deviné, c'était celle-là. Et l'escroquerie n'est pas banale, parce que comme vous pouvez le voir, le constater, c'est une pièce qui ressemble étrangement aux 2 euros, et notamment aux 2 euros espagnols, allemands, qui ont des bâtiments. Aussi. Donc, quand on vous redonne cette pièce en monnaie, vous pouvez dire, bon ben, c'est une pièce que je pourrais avoir. C'est une commémorative. Hein. Comme une de mes amies m'a dit, combien vaut ma commémorative? Je lui ai dit, malheureusement, tu t'es fait avoir. Parce que cette pièce-là, que vous voyez là, c'est une pièce de Thaïlande. C'est une pièce de 10 bahts. Et 10 bahts, ça vaut environ 25 centimes. D'où l'escroquerie. Si vous la retournez, hop, vous voyez bien qu'il n'y a pas écrit 2 euros. Mais dans l'élan, quand on vous remet de la monnaie, c'est sûr, vous pouvez la confondre. Et cette pièce-là, quand on vous la rend, elle est quand même 8 fois moins chère que celle-là. Donc on vous escroque de 8 fois la valeur faciale des 2 euros. Et ça, c'est important parce que vous, vous faites escroquer environ 1,75 €, ce qui est pas mal sur 2 euros. Mais imaginez dans la journée le commerçant qui fait ça toute la journée, à tous ses clients, il va se faire vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est malhonnête. D'où l'intérêt de cette vidéo. J'ai décidé de vous le montrer pour que vous regardiez bien dans votre porte-monnaie si vous n'êtes pas aussi victime de cette arnaque. Il faut la dénoncer. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur tous les réseaux sociaux. Alors, comment reconnaître que c'est à toute vitesse, hein? Comment reconnaître quand on vous rend une pièce qui a l'air de 2 euros? D'abord, la couleur. L'euro, quel que soit le pays, il sera plus doré, lui, il sera plus cuivré. Après, l'euro, il aura des étoiles tout autour. Lui, il n'aura pas d'étoiles. C'est les deux choses primordiales. Bon, bien sûr, si on les retourne, alors là, c'est encore plus flagrant. Il y aura écrit 2 euros, là, il y aura la tête d'un mec. Donc, c'est plus flagrant. Mais c'est important de le savoir, parce qu'à toute vitesse, je vous redis, c'est pas évident, on se fait avoir. Et la tranche, pour nos amis malvoyants, on voit bien que les tranches en euros, c'est en continu, même s'il y a des écritures ou des étoiles. Et là, c'est en discontinu. Vous voyez, hop, c'est discontinu. Donc c'est comme ça que vous pouvez la reconnaître. Si un jour, on vous donne cette pièce, refusez-la ou demandez les 7 autres qui suivent pour avoir 2 euros. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez apprécié, malgré qu'elle soit très très courte, un petit pouce bleu, un abonnement, ou voire même en rejoindre. À très très vite cette semaine pour une nouvelle vidéo. Pa, 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 pa.